Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est que l'école de magie du monde des anciens. Parce qu'il y a l'école de magie, il y a l'école de commerce, et puis il y a les cours d'hébreu et d'arabe. C'est un enseignement complet, c'est-à-dire que vous étudiez les langues kabbalistiques, de médecine prophétique, les langues utilisées comme langue sacrée par beaucoup de gens, comme les runes, les ogames, qui sont considérées comme des arcanes sacrées. Le but est de vous fournir un enseignement complet, c'est-à-dire que vous serez autonome sur la lecture et la compréhension des talismans, par exemple, ou bien des significations kabbalistiques des lettres de la Kabbale. Je vous renvoie souvent à des textes qui ont été écrits, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites, et c'est ces renvois qui vous permettront aussi de comprendre ce qu'est la Kabbale et ce qu'est la magie, la théurgie. Alors, j'ai une définition à vous donner. Sur la différence entre magie, théurgie et sorcellerie. Ce qui sont des choses qui n'ont rien à voir vraiment. Alors la sorcellerie agit sur le plan physique et astral. La magie agit sur le plan astral et mental. Et la théurgie agit sur le plan physique, astral, mental et spirituel. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Donc cette école de magie se réfère sur des textes qui ont été écrits par des grands mages et des grands maîtres ascensionnés parfois. Qui ont changé le monde de la magie. Et donc cette école de magie, vraiment, je vous la conseille, parce que vous avez des liens, vous avez des recommandations de lecture, et c'est ce qui fait ce qui compense le manque de contenu que je ne vais pas vous faire une dictée. Sur un rituel à effectuer, c'est ce qu'il compense, c'est par les lectures complémentaires sur le corpus qui est utilisé ici.